Là, j'ai dit, là, c'est terminé, on va avoir une inondation épouvantable. C'était ça. Mon nom est Béatrice Vachon, j'ai 93 ans. Ma maison a été détruite par les inondations. La plus grosse inondation qu'on a eue, ça a commencé en 91. Même j'ai vu passer dans la rue, moi, du monde en canot, là, puis il y avait de l'eau, là, c'était effrayant. On le réalisait là, que là, c'était des changements là, qui n'avaient aucun sens. Parce que quand on a vu que ça augmentait avec les années, là, on commençait à s'inquiéter. Quand j'ai su que tout le monde serait défait, j'ai consenti parce que je me voyais pas seule dans la rue Saint-Louis. Je me suis sentie très malheureuse parce que moi, je pensais de rester encore dans ma maison parce que mon idée, c'était pas de partir tout de suite. Mais après, il fallait que je me trouve une place pour les personnes âgées. Et quand je sors sur mon balcon au 9e étage, je peux voir où que je restais. On rentrait dans le côté de la maison, là. Puis là, il y avait une galerie, là. Puis là, l'autre côté, c'était notre voisin, M. et Mme Perrault. Elle était très belle, ma maison. Je l'ai aimée beaucoup. Des fois, là, après ça, je m'assis dans mon fauteuil, là. Puis là, je visite ma maison. Là, je rentre dans ma maison par le côté, là. Puis là, je fais tout le tour de la maison. Je vais en haut. Dans ma tête, je fais tout ça, là. Puis là, après, je suis correct. Il y en a qui disent, je veux plus y repenser, puis je veux plus rien savoir. Mais moi, c'est pas ça. J'aime ça y repenser, puis je veux pas l'oublier. Parce que j'ai été trop bien.